Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration Bokeh. Aujourd'hui, nous allons parler de l'administration des domaines. Alors, dans l'administration, quand vous allez dans la page des domaines, vous vous retrouvez avec une arborescence de domaines qui peut être assez longue. Et nous avons développé dans la nouvelle version de Bokeh une autre manière d'administrer. Pour cela, il faut activer une variable qui s'appelle enableDomainPerLibraries. Et lorsque vous activez cette variable, vous pouvez avoir d'une part une administration des domaines par bibliothèque, et aussi vous retrouver avec un écran qui permet de naviguer dans les domaines à l'instar des articles. Donc on est sur le même type de navigation. Donc là, je vais retrouver l'ensemble des bibliothèques qui sera filtré selon le niveau de l'utilisateur sur lequel je suis connecté. Par exemple, si je suis administrateur de la bibliothèque Hôtel-Dieu, je ne verrai que cette catégorie, comme pour les articles, à ceci près que, pour des raisons de rétrocompatibilité, la localisation portail sera toujours visible. Donc quand je vais sur une localisation, je vais retrouver mon arborescence de domaine, mais affichée de manière par niveau. Donc à chaque niveau, je vais voir la liste de domaines qui n'ont pas de sous-domaine et la liste de domaines avec sous-domaine, et naviguer ainsi de niveau en niveau avec le fil d'Ariane qui me permet de revenir en arrière, comme pour les catégories dans l'administration des articles. Voilà, comme ceci. Cette interface propose aussi un champ de recherche. Par exemple, si je tape CD, je vais pouvoir voir les domaines qui n'ont pas de sous-domaine, et donc les modifier et accéder comme d'habitude, avec un petit lien pour voir dans quelle catégorie sont rangés, et la liste aussi des domaines qui ont le nom qui correspond, donc des domaines avec sous-domaines, avec pareil le petit fil d'Ariane qui permet de les retrouver. Au niveau de l'édition et des duplications, enfin, tous les autres champs dont vous avez l'habitude, ceux-là n'ont pas changé, à ceci près que dans l'édition, vous aurez l'ensemble des bibliothèques pour pouvoir changer un domaine de parent. Voilà. Voilà, et donc évidemment, une bibliothèque peut avoir ses propres domaines. Voilà. Côté interface d'administration publique, nous avons fait des adaptations aussi dans le paramétrage des boîtes kiosques, domaines, avis. Évidemment, dans ce composant, vous sélectionnez les domaines. Maintenant, vous aurez un rangement par site pour pouvoir sélectionner votre domaine. Voilà, c'est fini pour cette démonstration, et à bientôt pour une prochaine démonstration Bokeh.